Bonjour Minecraftien, ici SelB35 et je me retrouve aujourd'hui avec pas mal de monde et c'est un grand jour car on va arriver à peu près à construire ce qu'on avait à construire pour quitter cette île, enfin. Donc Spiritwolf tourne autour un petit peu là. Alors quoi de neuf sinon? Donc voilà le vaisseau qui va. Un vaisseau. Ouais qui va. Et je me suis fait un putain de Quoi? Qu'est-ce que tu jackpot! racontes? Hein, Joris, Oui, oui. Il a fait un Joris, jackpot. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Il se balade avec Joris, on sait pas pourquoi. Lâche-le! Lâchez Mais de qu'est-ce que golem! tu fais? Non, Lâchez de donne-le, golem! Mais c'est pas ça, abruti! Oh. C'est pas ça! Heureusement que ça lui fait pas trop mal. Ouais, bon! Ah, Baisse ses yeux! Baisse ses yeux! Baisse ses yeux! Tu Baisse peux pas ses demander yeux! quoi que ce soit à Joris, hein, faut pas Non. croire. Bon. Allez, donc on va s'y mettre. Allez, Joris! Allez, Joris! Hop! Donc, on Joris, devrait. j'ai attaché Joris au vaisseau que j'ai commencé à construire. Ouais. Donc, on va bientôt partir normalement, mais bon, il y a certains membres qu'on va pas pouvoir tellement faire partir. Je vous laisse finir mes Jetpack! phrases, ouais. Ah, mais... Aïe! Tu vas faire gaffe avec ton jetpack, je sais vraiment pas comment t'as pu faire ça, mais. Ouais! C'est un jeu. Attention, 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 attention! Et vraiment, tant qu'on part, tu deviens un petit peu taré là. Enfin, tu me diras, tu as toujours été un peu, mais bon, maintenant tu parles en plus, donc c'est encore pire. Donc, pour partir, malheureusement, il y a Voilà, des ça membres qui sont tire ma pas là. flèche. Enfin bref. Donc, Allez. il y en a certains qui sont partis, on sait pas tellement où, mais. Wouhou. C'est un Joff, va falloir vraiment te faire partir Vous d'ici parce suis. que là. On va essayer de partir un petit peu en exploration pour voir s'il n'y a pas Ok. certains qui Bon. vont. Certains membres qu'on va pouvoir retrouver avant de Ouais. partir. Ça va être trop Il fun faudra d'aller faire l'embarquer avec nous. Je verrai pour faire une Quasimodo. petite cage. Bon, Quasimodo, ouais. Faut faire gaffe quand même, hein. Quasimodo il est un petit peu agressif de nature donc. Wouhou. Oui, mais je vais piller Et certains coups de ouais, c'est poing. chez le Daemon ici, fais gaffe quand même. Hein. si on allait creuser par là-bas? Et si on allait creuser par là? Ouais, pour voir, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, on fera ça une fois. Ouais, on va creuser par là. Désolé. Alors, c'est parti, peut-être à la Ouais. recherche des derniers membres de la team. Parce que Et puis Joris m'a vas-y. donné les plans. Joris t'a donné les plans de la construction du jetpack, tu veux dire? Ouais, ok, certes. Ouais, tu peux creuser à ma place, j'ai oublié ma Ouais, pioche. ok, j'y vais. T'inquiète pas. Ouais, tout droit, Ouais, quoi. j'y vais. Non, en diagonale, en diagonale, en Bon, diagonale, si ça tu sera dis. mieux. Je vois pas trop la différence. Par là, par là, par là, par là. Ouais, peut-être qu'on pourra déboucher plus vite par là. Ouais, par là, comme ça, en diagonale, par Ouais, là. c'est mieux. On sait Des choses pas, incroyables sont dites. Des il y a des choses ressources. incroyables. Il y aura peut-être des ressources, hein, on est dans une montagne après tout. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse La surtout, c'est de base. déboucher d'un côté pour voir s'il n'y a pas du monde. Ah, bah tiens, quand on parle de déboucher d'un côté. Ah, je suis désolé, elle est verrouillée, j'arrive pas à la défaire, à la De déverrouiller. quoi? Ah, oh, il y a quelque chose. Ouais, y a. Ah, tiens, c'est sympa. Qu'est-ce que. Il y a un lac. Un Oui. lac! Eh, il y a quelque Il y chose a quelque là-bas. chose? Il y a quelque chose Ok, on là-bas. va voir. Ça. C'est que Ah, j'ai. quelle est cette chose? Oh, il y a un petit campement ici. Bah tiens, quand je vous avais dit qu'on Dirait un trouverait trou. des gens. Et là, il y a une espèce de Hé! maison. Il y a Oh! quelqu'un. Frosty 29! Frosty! Frosty! Bah, c'est qui Oh! eux? T'es qui Oh, toi? oh, Est-ce oh, oh, que c'est calme-toi, Selby, tu me mec! reconnais? Shelby, c'est Oui, toi? c'est moi! Je me suis perdu dans cette île, je ne sais pas comment. Ouais? Dans ma T'étais pas dans maison! l'avion à la Je suis base, hein? là! T'es un pote à Dans nous, ma mais t'étais maison! dans Moi, l'avion. je dégage! Oh. Dans ma Non, maison! moi, je. Moi, je me suis. Frosty est devenu aussi fou que les Mais autres. c'est Je me quoi suis ça? C'est quoi rentré par la cette. cheminée. Moi, je suis rentré par la cheminée. J'ai un peu Il chaud est bien maintenant. dans Ah, cette cheminée d'ailleurs, qu'est-ce que. j'avoue, Tiens, classe. non, mais décidément, faut vous évacuer de là très vite. Mais Voilà. Regardez, sortez de ma je maison! rentre par la C'est cheminée. Oh, mais sérieux. Sinon, vous devenez quoi depuis? Bah, à ton avis. Oh, mais on a un bon stuff, on s'apprête à se casser. Ouais, on sait ça, on s'apprête à se casser. D'ailleurs, on veut bien t'emmener, on a de la place. Mais il va falloir faire vite parce que là, je crois que. Ah, parce qu'en fait, des fois, je voyais. Bah, c'est pour ça que je voyais les habitations, je me dis, ça doit être des 1K, mais non, Des c'était incas. vous. Ouais. Pff. Zaga, t'es sérieux, Bon, mec? peut-être qu'il a croisé Golem 13X après tout. Hé! J'ai quitté les Hey, corps. jolie la voiture, mais on démarre comment? Ouais. Ouais, bonne Bah question. comment te dire, je l'ai fait maison, sauf que j'ai oublié le Bien moteur. joué. Mais après Ah! et le. Mais en tout cas Tombé. j'ai la chenille, hein.
La chenille. Ouais, bon. Bon, j'ai pas Ah, elle est dit, belle. mais j'ai la chenille. Et ça, et c'est. Elle est belle, mais bon. Tu peux me rappeler l'intérêt de faire une voiture comme ça au bord de la mer? J'ai pas non plus de volant. Qui mais bon, démarre ça pas, c'est il y a une pas autre, de c'est volant. pas grave. Bon, on va dire que Frosty n'est pas un ingénieur professionnel, hein. Mais par contre, le siège est Ouais, très c'est pas cool. grave. Le plus important, c'est qu'on se soit retrouvés. Ouais, c'est sûr. Un homme noir là-bas. Ouais. Alors. Voilà. Bon, les regarde, parts sont un Frosty. peu pénibles. Frosty, regarde ce que j'ai réussi à me faire. Qu'est-ce que. Non, non, je suis un sbire, bien Alors, sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, t'as rien? Je peux voler, Waouh. j'ai un jackpack. Fais gaffe avec ton Et je jetpack. vole pas très haut par Et bah, contre. moi j'ai du lait, qu'est-ce que tu vas faire? Oh mon dieu, il a du lait! Oh là là! Des potions de poison! Non, 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 tu. On se calme avec le poison. Ça, simplement, non, mais hein. venez, faut évacuer l'île là. Touche pas. Qu'est-ce que vous faites? Oh, je piétine ton livre. Ah, désolé, j'ai éteint ton feu de cheminée, je suis rentré par la cheminée. Et en masse dans un coffre. Pourquoi tu rentres par les cheminées? Merci, c'est sympa. Et regarde, viens, il y a un passage pour nous rejoindre. Ah. Il est où? Il est là. Où ça? Ah non. Il est là. Il est là-haut. Voilà. Bien là. Ici. Venez, mes amis. Ok. Ok, tu nous suis. Oui, bah t'as trouvé une grosse ressource là. Hein. Tu nous suis aussi. Mieux que le diamant. Le ouais, diamant. On cherchait les ressources. On a trouvé une ressource vachement cool, ouais. T'es un esclave. Non. Pas question. De toute façon, on se casse de là. T'as de la chance que je sois sympa, sinon je t'aurais mis un coup de tatane, tu vas voir. Ouais. Bon. Je sais que tu sais te battre, mais quand même va falloir voilà. rester calme jusqu'à ce qu'on quitte l'île pour défouler une fois qu'on sera de retour chez nous. Bah j'ai déjà du pain, c'est bon hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, c'est vrai, j'ai pas beaucoup d'eau, mais je me nourris avec l'eau du bon Dieu. Et alors, au cas où si vous ne le savez pas, j'ai déplacé le beacon. Mm-hmm. Pour pas vous inquiéter. Oh, mais c'est quoi ça? C'est un Je commence à avoir du mal à récupérer mes forces. C'est l'invitation d'Eldaimon que je vais même pour essayer de piller pour faire du pain. Ouais. Ah bah moi pour faire On n'a pas retrouvé Eldaimon malheureusement, il a eu des problèmes. Sinon, vous avez fait quoi d'autre à part ça? Nos outils de communication. Il faut bien la bouffe, Eldaimon, nos outils de communication. Bon, moi je vous attends, hein. Ça a pas bien fonctionné. Bah, il se trouve, vous, vous me laissez parler, la désolé. Je crois qu'il a trouvé un moyen de rentrer. Eldaimon, hein. peut-être. Nous aussi. Mais en tout cas, sur la fin, on avait vraiment du mal à communiquer, c'était galère. Oui, ils ont été tués lâchement. Eldaimon tué. Il manquera plus que ça. Ah, bah non, toujours pas. Non, bah je sais pas où ils sont. Tu me laisses sortir, oui. Dans un futur lointain. Bah y'a pas de choses à voler là, non? Non, toujours pas. Ah si! Un peu de fer. Oh là là, mais... Bon, moi je vous attends Bande de l'autre pillards, côté. Hein. Ça vous dérangerait d'attendre qu'on oui. soit bah, sorti pas... de là? T'es où, Tarjoff? De l'autre côté. Voilà. 45 blés, ça le fait. Et grâce au jackpack, je peux vous affirmer une chose. La maison de Eldaimon est de l'autre, et pile de l'autre côté de la montagne. Ah. Bref, où on est quoi? Non, mais en gros elle est pile en face de notre maison, mais de l'autre côté. Ah cool. Et moi pendant plus d'une vingtaine d'épisodes j'étais tout seul en train de faire ma vie, hein. Et vous êtes en train de vous embrasser. Ça m'énerve. Ouais, écoute, t'as vu notre civilisation qui a plus de points de quand même. De vous amuser. Tiens, voilà. à ce propos, il est super dingue. On a passé Jean-Sébastien. On a paumé Jean-Sébastien. Et Tarjoff, tu vas. Ah bah, moi je suis resté dans ma maison tout le temps jusqu'au jour parce que je voyais des espèces de monstres verts avec quatre pattes. Ouais, je me suis dit. On appelle ça des creepers. Pourquoi? Ça fait pousser des creepers. Ouais, ça fait pousser des creepers, voilà. Et on c'était quoi les espèces d'araignées géantes? Bon, c'est simplement des araignées. Des araignées, laisse tomber. Bon, des araignées venues. Celui de la vraie Frosty, on s'est quand même un peu amusé. Ouais. Bah voilà, je suis à j'étais moi, un copain. Tout seul en train de faire mes c'est armures et tout pour me battre, sauf que. J'ai passé où, Frosty? Au mauvais endroit, j'ai essayé de partir. Ouais, un bébé. Ah, il a galéré un petit peu, le cher Frosty. On est désolé, photos. Mais aujourd'hui, c'est. Le c'est grand où, jour Frosty est venu, on va ski. On va. Ah, bah c'est. On va quitter c'est quoi cette maison? Quelle c'est maison? C'est une tour? Laquelle? C'est la maison de Tinjoff, laisse tomber. Ah, il y a quoi ouais, dedans? C'est sur la droite. Ah, là-bas. Non, rien. Allez, ensuite, Tinjoff. Ton jetpack, il n'y a pas beaucoup de batterie. Surtout que moi, j'ai un jetpack. Je n'oserai jamais. Qui marche sous l'eau. Utilise un petit peu avec modération ton jetpack. Bon, c'est pas grave, y a rien à piller. Enfin, peut-être, mais bon. Voilà, la si, tour y a beaucoup Tarjoff, de ressources, vous n'avez vraiment un pas beaucoup vu. D'énergie. Hein. Et qui contient le moteur qui va nous permettre de quitter cette île. Ok, et sinon, votre maison, y'en a pas? Elle est un peu plus loin, elle est un peu plus loin. Ok. Bah, sinon, Attends, vas-y, descends. On va chercher du on zombie. Rejoins-nous ici. T'es où? Ça, ici. Ouais. Je cherche Frosty. Frosty est parti de l'autre côté. Où est-ce que tu es? Frosty. Oui. Là, je suis là. Ici. Il va faire boum.
Rien d'autre. Ah là là là. Frosty. Bah tu crois que ça m'a... Tu crois qu'il produit quoi ce réacteur? Le réacteur, bof, je sais pas. Du cannabis. Frosty. Tu te demandes pourquoi je passe autant de temps dans ma base? Je dois le recharger, c'est un truc. Non, sérieux. Le réacteur il sert à quoi? Tiens voilà la petite base de Mentres, oui. D'ailleurs Mentres on sait toujours pas où il est, on est un peu paumé. Bah, mais vraiment désolé pour lui. Ah, Spirit, c'est par où? Voilà, j'ai rechargé mon jackpack, c'est reparti. Ouais. C'est quoi? Non, je suis rien du tout depuis tout à l'heure. Allez, je vais piller les coffres à Mentres. Ouais, je sais pas où je vais aller. Je vais voir une vue à l'intérieur. Y'a rien dans les coffres à Mentres. Parce que je sais pas où il faut aller en fait, puisque une certaine personne recherche son jetpack. Mais non, mais c'est bon, je l'ai rechargé moi. Bravo. Vous pouvez pas me chercher au lieu de tu faire des bouts du soleil, vent bah, tu sérieux le soleil. Donc Frosty, descend en bas. Descends en bas de la base. Vous avez tu peux regarder le générateur d'énergie si je vous rappelle. Oh, hein. Y'a quoi là? Oh y'a rien. Y'a quoi là? Oh y'a des choses. Y'a quoi là? Bon Frosty, je sais que t'es content mais bon quand même là. Faut se casser de là au bout d'un moment. Allez. Allez Frosty, ça va faire 10 minutes que on t'a retrouvé et tu fais rien que t'amuser, sérieux. Pas cool. Bon, ce vaisseau-là est vachement bien fait. Joris, je me souviens. Joris, je t'emmène dans le vaisseau. Eh bien, je vois la Joris. Qu'est-ce que tu cherches à faire, Joris? Je sais pas ce que vous avez fait, mais c'est un gros bordel, honnêtement. Bref. La maison, elle est là-bas. La maison, elle est là-bas. Allez, tout pillé, oui. Ouais. Eh mais c'est ma maison et qu'est-ce que tu viens de dire là? Sérieux? Bon. Tant de compréhension de CLB. Mais touche pas mes coffres, sérieux. Et regardez ce que j'ai fait aussi en mémoire à toutes les personnes. Ah, on va aller voir ça, c'est vrai, c'est sympa. Fait avec de l'argile récupérée par pas forcément sur cette île. Toutes les personnes. Waouh, il pleut. Waouh. Surprise. Un orage. J'ai un jetpack. Voici. Avec moi, Tinjoff, Panax, et moi. Ben 13, El Diamond, Frosty. Un petit air de ressemblance. Ouais, SLT. On est jumeaux. Zovakin. Démon 3X, voilà. Spiritual, Golem, Falaval. Tout ce et en haut, il y a une tête de con. Je sors sous la pluie malgré mon armure. C'est pas une connerie. Mais quelle ressource magique t'as donné à Joris? Oh putain, mais qu'est-ce que. À moi le trésor, prince. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais tout piller. Non. La 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 la. Oh, t'as tiré les éclairs, qu'est-ce que c'est que ça? Frosty, tu vas arrêter de piller, hein. Putain, Joff, ça y est, les boutiques. Et tu vas nous suivre. Je vais m'abriter vite. Aïe. Fais gaffe, t'as Joff. Son armure a tiré les éclairs. Oh non, j'étais pas là, j'ai découvert une sphère bizarre qui ressemble à une Pokéball. Où on peut se téléporter. Yeah. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est des perles. Une sphère bizarre où je peux me téléporter. Regarde, Spirit Wolf, tu me vois là? Ouais. Ah oui, ça c'est ouais, la non. Ah oui. La perle. C'est rien. Une boule de perle de l'aide. Vous êtes déjà bien informé, hein? Bah oui. Non, en fait, on a appelé ça comme ça au pif. Ouais, un petit peu. C'est pas faux. Ouais, est-ce que t'as déjà vu des grands hommes tout noirs? Ça c'est diaboliquement raciste. Bon, pas tellement. Non, mais c'est vrai. Mais bon, j'ai vu ou pas? Ouais, non, mais pas dans. Bah, j'ai l'impression que c'était un rêve, mais je me suis réveillé et j'avais ça dans la main, donc. C'était peut-être pas un rêve finalement. Ouais, c'était pas un rêve, on aura tué plusieurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi ça? Vente sur eBay. Vente sur eBay. Vous foutez de ma gueule. Genre. Vous prévoyez déjà de vendre des trucs sur eBay? Mais vous foutez de ma gueule. Hey. Qu'est-ce que je passe? T'es un Joff. Oh mon dieu. C'est pas logique. J'ai les éclairs alors même que c'est à l'intérieur de la maison, sérieux. Fasse gaffe, où est-ce que tu vas là? Il y a une forge de l'enfer ici. Une forge de l'enfer, non mais. Mais Jean-Sébastien avait élu domicile si ici, où est-ce qu'il est passé? Forge de l'enfer! Non, quand même, là vous êtes exagéré. Fais gaffe, souvent des éclairs par ici. Le diable a frappé! Tout le monde parle en même temps là, c'est pénible. Le diable a frappé! C'est dangereux. Oh là 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 là. Évite de trop y aller, il y a des éclairs de temps à autre. Ah ouais? Oh!
Ah bah, comment illustrer? Oh mon dieu! Oh! Eh hey, oh! Eh mais je me casse moi! Les éclairs ont cassé le cadre! Ils ont cassé le cadre! Le cadre! Non, le cadre! Le tableau! Ah bon bah, on a plus de passage secret, c'est pas grave! C'est pas grave, on s'en fout du passage secret! Ouais, c'est... une porte c'est bien aussi! Moi je kiffe les portes! Tout le monde kiffe les portes ici. Mais je sais pas pourquoi vous avez quand même mis ma tête alors que vous m'avez jamais retrouvé. Mais après. Ben voilà. On te connaissait donc et puis on se doutait sans doute un voilà. Petit peu que tu étais passé en clandestin dans l'avion, ça te. Et vu que Joris a une bonne mémoire, il a recréé ses têtes lui-même. Hein. Il est fort, ouais, quand ouais. Ouais, allez, attaque on est crispy. Est-ce que tu viens de te transpercer la tête? Ah non, c'est un chauve qui vient de le faire. Quoi? Non mais tu viens de transpercer la tête à Dovahkiin, à Démon, à Falaval, à Golem. Eldaimon, sérieux, t'as pas honte, Spiritual, Ben 13 et Fanax, et moi, bordel. Ah mais par contre, pour enflammer ton jeu, y'a personne, quoi. Me casse. Tu te casses, ouais, bah tu fais bien. T'as un geoff au pied. On va te tuer. T'as un geoff au pied. Attends deux secondes. Oh le fils de... Avec ton jackpack, y'a toute la... Tu vas pas pouvoir rester en l'air très longtemps, de toute façon. Tu le sais bien, ça. Mais oui. En vérité, ouais, ça se trouve, Tarjoff est un dieu. Tarjoff est un dieu. Non, mais il a eu juste une attaque de Joris. Mais on se demande des fois si Joris c'est pas un dieu. Tu vas crever. Ah bah. Encore des petites explosions pour bien finir. J'ai une protection contre les creepers. J'ai trouvé le moyen. Dans. Ah là là. Mais ouais, sérieusement. Et pourquoi la défense psychique je sais pas comment retrouver, ça aurait été un bon programme ça. Bah non, c'est trop dur. Tant que je suis dans les tant qu'on est dans les environs de la base, les creepers ne nous font plus rien. Genre c'est bizarre. Alors. Ouais, mais on aurait pu le voir en fait aussi. Hein. Oui, bah et alors moi bah moi j'ai désolé, il y a un gars qui m'a. Qui... J'ai fait la discute avec une pastèque, donc hein, vous allez vous calmer, hein. Qu'est-ce que. C'est LB. Quoi regarde, regarde le squelette qui veut tuer Joris. Regarde ce qu'il a fait, le squelette qui veut tuer Joris. Il y a un squelette qui veut tuer Joris. Hey, en train de regarder. Personne ne fait ça à Joris. Il voulait. Il voulait. Il est où? Oui. Il est où? Mais viens voir ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait ici au vaisseau. Oh putain. C'est quoi ce truc? MDR. Et pourquoi il y a une laisse au milieu d'un coffre? Faut pas chercher. Parce qu'il y a une laisse au milieu d'un coffre, laisse tomber. Faut pas chercher. Je viens de tuer un creeper à distance. Boum. Je crois que je vais retourner à ma maison, hein, si jamais il y a des trucs aussi chelous. Bof, hein. Ça sert à rien. Joris, nous, on va bientôt se casser de l'île et retourner à la civilisation. Et aux machines de poulet géantes et aux fleurs multiples. Les gars, ouais. J'ai besoin un peu de repos, vous auriez pas quelque chose pour me soulager? Ben... J'ai peut-être une solution pour l'orage. Une solution? Non mais qu'est-ce que... Non mais... Attendez le second. Faire comme les Bouddhas qui fait une abracadabra que le temps se remet normal. Ouais. C'est comme ça. Ces âmes, Il y a une salle secrète dont je vous montrerai pas que Joris est un peu trafiqué. Je sais pas trop ce que ça fait, mais je vais essayer. Ok, mais écoute, c'est pas normal que tu puisses faire tout ça. Joris n'est pas un dieu non plus. Voilà. J'ai essayé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de j'y vois rien. Oui, là, oui. Je suis encore dans c'est miraculeux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dieu, je vous l'avais dit les gars, c'est un dieu. Non, mais c'est... Non, c'est Joris qui a fait système. Ouais, mais je sais pas trop comment il a fait pour rentrer chez moi. Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Quoi? Non, c'est pas possible. Parce que bah, apparemment. Parce que c'est esclaves. Moi, je lui en veux pas, Joris. Je suis même content. Qu'il t'a donné des pouvoirs psychiques. Ouais, c'est vrai que sans lui, on serait un petit peu loin. Wouhou. Merde. Je suis pas tombé pile poil à l'endroit où je voulais. Non, fais pas ça, Tarjoff. La marche à pied, y'a que ça qui est vrai. Arrête de monter comme ça, tu peux pas monter très longtemps. Hein. Tiens, une graine. Ton jetpack est cheaté. Joris, je t'ai dit que le breakdance, c'est pas pour toi. Joris, breakdance, du. Joris, breakdance. Joris, c'est plus pour vendre des kebabs. Après, ouais, Joris, il vend des kebabs, mais il a racheté McDonald's, donc il vend aussi des burgers. Je crois que le gars qui avait fait faillite, il est. Enfin, je l'ai jamais vu, mais il paraît qu'il est pas très content. Ouais. Il veut tuer Joris. Le patron. Ah, mais c'est marrant vu que quelqu'un veut tuer Joris et ses employés, c'est ça qui nous a amené ici. Il s'appelle Donald. Il s'appelle Ronald McDonald. D'ailleurs, Frosty,
Je suis quasiment sûr que le type que... Je suis quasiment sûr que le mec qui a maudit cette île, c'est un dragon. Genre, ce serait le dragon Ronald McDonald. Reste pas trop non plus. Mais bon, Ronald McDonald, c'est un clown, pas un dragon, ça c'est très bien. C'est poursuivi par un bébé zombie. Sérieux. Mais oui, c'est Ronald McDonald qui s'est réincarné en dragon. Ronald McDonald qui serait... Mais vous racontez n'importe quoi. On est où là? On est sur une île déserte, infestée de monstres. Moi je vous tire dessus là. Un Joff, tu vas arrêter ça tout de suite. J'arrive même plus à parler. Alors. Bombardement. Bombarder quoi? Oh mais qu'est-ce que tu fais, un Joff? J'espère que c'est pas des mines antipersonnelles parce que sinon je viens d'en marcher sur certaines. Ouais, attendez. Si c'est retardement. Vous auriez pas des flèches à part ça? Ah, j'ai peut-être une technologie pour vous qui va vous plaire. Alors peut-être que vous allez devoir fusionner du coup avec l'enclume. Ouais. Mais vous pouvez avoir des arcs à flèches infinies. Ah ouais. Bah c'est cool. Illimité. Ça c'est très intéressant. Et le gars bien sûr, il nous a jamais prévenu hein, c'est trop dur. Ouais, mais toi tu viens d'arriver, je pouvais difficilement te prévenir toi. Oui, mais parce nous que nous eh oh, tu prends Google Maps et puis voilà hein. Ouais. Tu prends Skype. Il y a pas Google Maps. Bon. Et alors? Alors, T'as pas Skype, non, hein? Pour m'appeler, des fois, pour me dire, tiens, t'as pas quelque chose, non? Mais on capte pas, ici. Ouais, l'outil navigation, il marche que sur une distance réduite. Ah bah, hein. C'est ce que je te dis, Ah bah, il repleut. Pas de chance, ça. Oh, mais... Attendez, je vais arrêter la pluie, parce que pour faire cette technologie, ça nécessite des éclairs. Donc, Je suis désolé. SLB, vous devez survivre le temps. Vous devez survivre le temps que ça arrive. Ok, merci. Alors. Sinon les gars, on en parle d'un zombie qui me loot une patate. Bon, ça arrive. Hein. Un zombie qui loot une patate. Arrive, hein. Ça vous dit quelque chose? Oui. Moi c'est plus des carottes qui loot. Ouais, les patates ça arrive. Hein. Moi, il c'est plus un fanatique des patates et du sucre aussi. Sucre. Alors ça par contre c'est bizarre. Le sucre non. Aussi. Tu me sens vachement bien stuffé quand même. Non, rien. Tu nous as vachement bien pillé, hein. Petit respect. Mais alors, je cherche un truc. Hein. Non, je rigolais. Le portail vers l'enfer est éteint pour la raison qui me sont Ah, c'est moi qui l'ai éteint parce que j'avais des problèmes avec lui. Ouais. Je me téléportais sans le vouloir. Ouais, mais enfin, quand même, c'est bien de montrer ça à Frosty, l'enfer. Ouais, l'enfer, ce sera pas toi. C'est pas l'enfer. C'est quoi, l'enfer, c'est une dimension trop avec cool, le diable avec, et tout. Avec le dieu, les anges. Ah, voilà. Et tu m'expliques pourquoi il y a une espèce de portail chelou? Bah, c'est pour entrer en enfer. Bah, il est pas activé, justement, il nous faut le poil activer, c'est pour ça, on cherche. Il nous faut du flint. Ah, c'est un portail un peu comme dans Portal. Vas-y. Ouais, un petit peu. Oh, je suis bourré. Ouais, t'as vu, bah voilà. Frosty est parti. What the? Frosty a quitté ce monde. Et je vais le rejoindre, peut-être. Non, mais j'ai des bouteilles d'eau. Oh, et puis Osef, hein, on va le laisser crever ici. Je crois qu'il doit y avoir des sauts. On s'en fout de Frosty au final. Il y a des sauts dans tout. Il y a des sauts de l'est, tu veux. Spirit ouais, Bouge pas, j'en ai un. Tu vas bien, Spirit? C'est quoi ces espèces de zombies mélangés avec un. Ah, tu peux encore nous parler, nous entendre? Ah, c'est élevé, ok. T'as un jumeau peut-être dans l'enfer, non? C'est un espèce de. Du Frosty, qu'est-ce que tu fous là? Tu voulais me piéger? C'est pas vrai. Petit ok, je regarde à gauche, à droite. Ninja! Ouh, fumigène! Ouh, tu! Ah, tu ne m'as pas vu! À gauche, à droite, ninja! Alors, ok, du bruit. Les bruits de l'enfer. Je reviens, les gars, attendez. Ok. Il y a sans doute des incantations à faire, quelque chose. Ah, je sais. À gauche, à droite, fumigène, ninja, aïe. Je commence à devenir vachement bon là-dedans. Hein. Bon, allez, je reviens parce que je suis gentil. Ah, c'est bon. Allez, me revoici, je casse le portail. Par contre, j'ai bien dit. Qu'est-ce que tu fous? Bordel! Oula. Reviens là, je m'appelle Jackson! Blablabla. Non, fais plus jamais ça. Jackson! Tu veux une tête dans. LOL. Mais non, mais tu te fous de ma gueule en plus! Ah, oui. Ah, ah! De tout le monde. Je me fous pas de la gueule de tout le monde! Je me fous que de la gueule de Frosty et un peu de Spirit Wolf. C'est un peu tout le monde, c'est vrai. Eh, mais tu me rends mon eau! Tu me rends mon eau, espèce de sale connard! Tu me rends mon eau! Si, tu me la rends! Allez, salut! Moi je vais dans. Eh oh! Tu peux pas te servir de l'eau en enfer! Ouais, sinon, tu vois, Joris, ça va? Eh, ok, tu fous là. Tu veux du coca? Tiens.
c'est pas du coca ça. C'est de l'argile, espèce de bolos. Bon, tu vas me rendre mon eau maintenant, sinon je vais péter un câble. Oh, et puis, merde, hein, je vais en chercher. C'est bien. Comme un BG, voilà. Bon, alors. On fait quoi? Faut qu'on attende Tinjoff, malheureusement. Oh, quelqu'un raconte une blague? Il se concentre là, à mon avis, parce que là, il est. Puisqu'en fait, il a pas besoin d'idiot dans d'autres genres pour faire ses expériences. Mais il a rasé la pluie, ça c'est bien. Nous, incrédules de ce genre. Ouais, c'est sûr. Allez, donc le diamant Joris. La chouette maison de Fanax. Et plus ou moins condamnée en fait, concrètement. Il y avait une mine ici avant et toute une salle avec plein de cultures et tout. Mais on a un peu tout réquisitionné en fait. Et En même temps, c'est chez Fanax, hein. Bah, c'est pas faux. C'est ça. Mais de toute façon, on était obligé de le faire parce que. Mais on sait toujours pas où est Fanax, ça se trouve, on l'a enfermé en bas là, c'est. J'espère pas. Ce serait con quand même. Qu'il n'y a plus de batterie sur son outil de navigation. Bah de la laine et des lampes. De quoi? Ouais, le diamant, c'est un peu voilà, en toc. C'est pas du diamant réel. Puis des lampes de la mer. Ouais, des, voilà. Des lampes. Oh, il y a un creeper en haut de la maison, faut qu'on fasse gaffe. Allo? On m'a laissé tomber, il s'est cassé. Cookies? Oui, je suis là, j'essaye de casser quelque chose qui a l'air incassable. Ah bon, quoi donc? C'est quoi ça? Oui. Mais non, il est parti, je crois, il est parti explorer quelque chose. Je crois qu'il a retrouvé Joris. Joris, il est pas loin, il est juste sur le bateau, non? Ouais, bah. Je suis tombé dans la lave, les gars! Quoi? Non, Frosty, ne fais pas ça maintenant! Salut, bon, j'ai autre chose à foutre que de te sauver, mais quand même! C'est lui qui les pète depuis tout à l'heure! C'est bon, j'ai mis de l'eau. Attends, ôte-moi d'un doute, t'as pas fait ça dans la salle où je pense, bref. Non. Bon, il y aura de la pierre taillée. Je sais pas qui c'est qui a pété... Tu sais, t'avais de la lave et t'avais des vitres au-dessus. C'est vraiment cette salle-là en plus. C'est pas moi. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas moi. Oh, enfoiré. Ouais, certes. Je vais chercher quoi déjà? Moi, je vais chercher du fer. Alors, vous avez pas de l'eau? De l'eau j'en ai, mais bon, j'ai rien. Moi la seule chose que je trouve intéressante de faire, c'est monter sur l'escalier et en descendre. Je peux le faire! Non, Frosty, dégage de là, tout de suite. Bon. Je suis là. Tiens. Fais-le au moins de pauvre. Yeah. Merci. T'as des choses plus sympathiques à faire quand même. C'est le BT. Moi j'étais en train de monter, descendre. Ouais, c'est une force magique, faut que tu dé. Te voilà. Bah moi j'ai. Attends, moi j'ai une force magique. J'ai beaucoup de force magique, moi je suis un peu à la Fousroda. La Fousroda. Bon. Bref. Pas grave. C'est moi qui l'avais fait, personnellement. Oh cool. J'ai le droit à avoir un arc moi. Merci beaucoup. Je sais pas. Hey, t'as un jeu. Et moi alors? Tenez. Bon, je vous. Thanks. Ouais, je peux me téléporter, mais je dois rechercher des ressources. Donc, je dois vous laisser. Oui, j'ai encore une technologie que vous avez pas dit. Mais je peux pas me téléporter hyper loin. Ok. Donc, ça sert pas à grand chose. Au calme. Bon, pas fait comme chez toi. Je vais tuer les choses. On te retrouve tout à l'heure, allez. Bon. Donc, moi, je vous laisse pour l'instant. Ça va bientôt couper. Je suis un peu loin, donc ça va bientôt couper. Je vous laisse pour l'instant. Je reviens peut-être dans 5 ou 10 minutes. Oh, ok. À tout de suite. J'ai mon nouveau sailboat, tout neuf avec de l'infinité. Je peux tirer à l'infini avec mon arc. Ah oui, bah moi aussi, mon arc. Et moi j'ai pas assez. Oh mon putain, mais sérieux, Frosty quoi. Quand même, t'aurais dû faire gaffe avec la lave. Oui, ça va être là-bas. Ok, on a toujours à 10. C'était déjà cassé. Le petit bloc avec des boutons dessus, je sais pas d'où il sort. On a plein de trucs inutiles dans ce coffre là. Oh putain, on a autant de perles que ça. Ah la vache, je m'y attendais pas. Non. Il y a plein de graines, il y a... Ouais, moi j'ai rien fait du tout, hein. Oui. Certains ont pris les choses en main, sérieux. Nope. Oh là, cobble, gravier. Ah si, j'ai du gravier, c'est bon. Cherchez un peu de gravier pour pouvoir c'est tirer avec mon arc, parce que il faut quand même une flèche, et puis je vais trouver un petit peu stylé. Attends, est-ce que le portail de l'enfer est actif? Portail de l'enfer. Moi, perso, j'adore mon arc. Regarde comment... Il est trop bien. Mon arc, oui, je sais, il est pas mal. Tiens, regarde. Non, mais c'est bon, laisse tomber. Oh là là, mais j'ai autre chose à foutre.
Bah moi j'ai mon shoot dans le bébé. Infinity 1, puissance 1, je préfère mon solidité Selbao. 1. Mon Selbao, il est mieux. Parce que nous on est français. Et qu'on parle shoot français. Dans le bébé. On n'est pas en English. Pas comme une certaine personne. Que je ne viserai pas. Allez, j'ai pile poil une plume. Parfait, j'ai une flèche. J'en ai même 4. Comme ça, c'est super. Je ne sais pas. Et pour partir avec mon Selbao, c'est bien. Non, mais moi j'ai pas assez de force magique pour pouvoir faire ça. Je sais pas du tout où je vais là, on attend un peu Tinjoff, mais je sais pas trop. Moi j'ai pas assez, il m'en manque. On prépare un peu nos équipements. Mais aussi, dans le doute. On dirait qu'avec la force magique, il faut un élément en plus. Je crois que c'est le lapis. Lazuli. Ouais, c'est le truc. Pour enchanter, oui, mais pour réparer les trucs. Pas forcément. Tout. Allez. D'accord. Si oh, ah, c'est cool ça, c'est un bon programme. Donc. Les gars, est-ce que vous avez 17 points d'énergie ou pas? Oh, j'essaye de foutre du feu à l'eau. Est-ce que vous avez 17 points d'énergie, pas, s'il vous plaît? J'en ai 13. SLT ah, ben 13. Merci. Moi j'en ai que 11, justement, il m'en fout 12 pour pouvoir fusionner. Bizarre. Il me faut un peu de points d'énergie, sinon j'arriverai jamais ah, à avoir. Ah, putain, qu'est-ce que je fais? Ah, faut que je fasse gaffe, moi. Alors, bon, il y a toujours parce des... Que là, parce que Japon. Je crois que je deviens taré. Ils me font chier les autres. J'ai envie de foutre le feu à quelque chose, là, faut que je... Le snaps. Ok, vas-y, maison de Tinjoff. Ok. Allez, je fous le feu. Youpi, c'est trop fun. Hashtag, quelqu'un a du fer. Non, je brûle une maison. Ouais, yeah. Bon, bah, j'ai plus de briquet. Oh là là. Et donc qui n'est plus très secret maintenant, mais bon. Non, parce que je suis pas parti. Alors, on est de retour, on devrait pouvoir se préparer. Après un extrait un petit peu buggé, oh, bah moi j'arrive. Il y a l'interface de outil navigation a fait n'importe quoi, je suis vraiment désolé. Donc on devrait pouvoir y aller dans peu de temps. J'arrive! T'as me fait de retour! T'as un cheval toi! Oh fuck this! Bah ben voilà, j'ai tapé ton cheval avec mon Selbao! Reviens là! Allez, le cheval. Il s'appelle comment ton cheval? Ouais, il fait du moonwalk. Lui, je lui ai carrément donné une armure en or. Non mais ça va le pimp? Bah y'a une armure en diams, je crois! Non mais c'est bien l'or aussi! Oh y'a une armure en diams sur le cheval! C'est sympathique! Non, je préfère l'or, c'est plus classe et c'est assorti avec mon armure. Ouais, mais le diamant a une meilleure qualité, exact. C'est vrai. La force oui, Jean-Pierre. Manipule ma main, c'est tellement bizarre. Ouais, mais bon, de toute façon, il va pas rester longtemps normalement. Bah oui. Pourquoi tu veux faire des expériences sur lui? Oh non, je vais le faire monter dans le vaisseau. Aïe. Ah, bah, sérieux, je sais même pas s'il va survivre au décollage. Il voilà. Sera parmi. Alors. Regarde, ils s'entendent bien. Ah oui, en effet, ils se foutent pas sur la gueule. Hein. Joris, faut pas que je tape Joris. Pourquoi tu me donnes ça, Spirit Wolf? Non, juste comme ça. Alors, lequel des deux je tire? Joris. Ce serait bien que je tape pas Joris quand même. CLB. Ouais. Moi, je suis gentil. Ok. Retourne-toi, CLB. Attends, de quoi? Oh. Retourne-toi, CLB. Ok, non, je tape sur personne. Ok. La mort entre les deux yeux. Regarde-moi Jackson, je t'ai vu. Jackson. Parce que Jackson. Ouais. Alors. Hey. Oui. Hop, voilà, c'est mieux. J'espère bien que tout le monde va se barrer, hein, parce que moi j'en ai marre de cet enfer. Un peu, moi aussi. Ah là là, faut que je fasse mes nerfs sur quelque chose, là, ça m'énerve. Bon, ouais, bah, on s'en balèque. Quelqu'un peut déplacer ce Nicole ici. Ouais, j'y vais, attends. On est d'accord, les gars? On va faire comme si on avait oublié Ben. On est d'accord. On s'en fiche de Ben. Hein. Omar, on a oublié Ben. C'est on pas est grave. Plus à ça près. Puis de toute façon, on sait pas où il est. Il est jamais là. Et... Oh, pire, on s'en fout. Ça se trouve, il s'est séparé. Hein. Faire, on est d'accord. Bonjour. Quoi oui, tu peux la récupérer à la pioche en fer normalement. Non, arrête. Okay. On va la récupérer. Attends, j'ai une pioche en diam sur moi. Autant la prendre. On n'est pas sûr de ce qui peut nous permettre de récupérer ça. C'est la pioche en diam. La pioche en diam, c'est aussi sûr. Non, la pioche en diam, je l'ai depuis toujours. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai eu du diams. Le diams. C'est j'ai même pas réfléchi. Alors. J'ai même pas réfléchi. Diams. Je suis dans le vaisseau depuis tout à l'heure en fait et je vous attends.
Déplacer le beacon en haut. CLB, attends, attends, avant de le placer, attends, avant de le placer. CLB, okay, monte. Les gars, est-ce que vous avez 32 points d'expérience, s'il vous plaît? Non, non, on n'en a pas, mais arrête avec tes points d'expérience, là, tu m'énerves. T'as déjà un très très bon équipement, hein, meilleur que le nôtre en plus, donc tu vas te calmer un petit peu, Johnny. Oui. Attends, Frosty. Frosty, normalement... CLB, CLB. Bon, j'arrive, mais je sais pas trop par où passer, en fait. Ouais. CLB, viens, je sais pas par où passer. Aïe, aïe. Bah tu remontes là, par là-bas. Je suis coincé les pieds. Pour faire le tour. Faire le tour. Ah, ah bah oui, tiens, j'avais même pas remarqué. Stupide. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Tarjoff? Attends. Ok, Joris Breakdance. Bon. Ah, c'est bon, il s'est calmé. Merci. Joris, tu vas te faire mal. J'ai vu un dieu. Joris, j'ai senti un dieu venir me voir, en fait. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a un dieu. Non, qui le cheval. Le cheval. Le cheval. Le cheval. Le cheval. Je trouvais trop beau. Cheval, le cheval. Oh, c'est pas trop long. Allez au galop. Une heure ou deux. Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. Bon, allez. La place, ou pas CLB, regarde ce qui va se passer avec le beacon. Enfin une lumière. Une lumière dans ce monde. Et il n'y a pas un lien qui va se faire avec le réacteur dans la base? Si, justement. Si, justement. Si, justement. Initialisation pour... Il se met à pleuvoir. C'est la prophétie, ta gueule. Ah. Attendez, je vais la désactiver. Par la magie de l'enfer. Allez, dépêche-toi parce que ça, je commence à mouiller un petit peu là. Moi, je sais pas d'où ça vient, ça. Par contre, Joris n'a pas prévu. Ça peut venir de la machine. Hop, c'est bizarre. Je vais les activer. Ça s'arrête pas du tout, hein. Si, si, c'est bon. Préciser, je crois. Quoique. Bah, ben, attendez. Oh, j'ai ramassé un tapis. J'ai ramassé un Bernard. Non, c'est B. Prends une pioche en diable. Non, mais je compte pas le miner. J'ai une pioche en diable si vous voulez. Et... Non, aucun intérêt. Bon, attendez. Pour l'instant, c'est pas encore connecté. Les deux ne sont pas encore connectés. Je vais le faire tout de suite, le connecteur. Le connecteur. Parce qu'il en faut deux, en fait, Beacon. Ouais. Il en faut deux, Beacon. Et j'ai trouvé un deuxième Wither. Ouais, hein. Comment t'as fait ça? Deuxième Wither. La créature que vous avez butée, ah, vous savez. Ah, celle qui t'a donné l'étoile du ciel. T'as deux étoiles du ciel, mais c'est un objet de prophétie à la base. Il n'est pas censé en avoir deux, bref. Non, apparemment il y en avait d'autres, toute une population. Oh, la prophétie, ça fout une autre gueule. Merde. Bon. Merci beaucoup, Joris. Qu'est-ce qu'il y a, Joris? Bon. Merci. Parce que vous qu'est-ce qu'il y a? Alors, Joris. Regarde-moi dans les yeux. Joris. Ah oui, d'accord. Oui. Joris. Sinon, oh mon dieu! Joris! Qu'est-ce qui se passe? Boulet! Putain, il est mort! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, apparemment, c'est lui, elle a CLB35 a tué Joris. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon dieu! CLB35 Ne vous inquiétez pas, Joris peut revivre! Quoi? Joris peut revivre. C'est un peu comme. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Il est surpuissant, Joris. Il suffit juste d'avoir des blocs de fer. Suffit juste d'avoir des blocs. Bon bah j'ai déjà 11 sur moi là. J'en ai. Donc dépêche-toi, t'as un joif. Le pauvre Joris. Pourquoi j'ai fait ça? C'est une citrouille, mais ça c'est pas le problème. Oh! Une citrouille pour lui donner son âme. Vous devez bien en avoir ça un. Ça marche avec certains autres types de blocs, mais bon. Laisse mon cheval. Donne son âme à Joris. Laisse-le. Je suis pas du tout cramé. Frosty, casse-toi. Je vais chercher la citrouille. Frosty. Non, c'est bon, je dois en avoir sur moi. J'ai tellement de choses dans mon méga inventaire. Méga inventaire? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette... Ah! Ouais, là, c'est pas vraiment de la technologie, c'est plus un gros sac à dos. Je vois pas. Ah. Je pense que si, ouais. C'est Joris. Et depuis le début, vous vous demandez pourquoi je suis rarement là. Ouais. Mon dieu. Mon cheval! Joris. Mon cheval! Ah, sérieux? Et le retour de Joris. Reviens là, Frosty. Frosty, j'hésiterai pas à te canarder comme un vulgaire canard. C'était nul. Salvé, fais pas ça. Je risquerais de toucher le cheval, c'est vrai. Bref. Ok. Non. Moonwall. Ah, mais. Enlevez-vous. Voilà. Attends, j'ai fait de retour avec son cheval. T'as pas une flèche, s'il te plaît, parce que j'ai Infinity et puis voilà. Attends, j'en ai une. C'est bon. Merci. Non. Elle peut pas le faire.
J'en ai qu'une seule de toute façon. Ah, ça me rappelle ce moment dans le Nether contre le Wither où ta deuxième personnalité, Tinjoff, me demandait des flèches à tout prix et a fini par m'empoisonner. Cheval qui fait n'importe quoi. Mon cheval fait n'importe quoi. Aidez-moi. Calme-le. Faites gaffe, les gars. Si vous continuez à faire le vaisseau. Non, non, fais pas ça. Il manque tout le nez. Faites gaffe. Pas intérêt à faire ça. Ok. Essaye, vas-y, tu veux qu'on se batte? Bah viens, pas tellement attention de me battre avec toi. YOLO. Bien joué. Sérieusement, t'as joué avec ton méga avant. Yeah. Attendez. T'as joué, t'aurais pas une NES des fois, faut bien attacher. Bah, je suis là. C'est bientôt connecté, attendez, j'emmène mon cheval. J'ai plus qu'à activer la balise là-bas. Hop, au passage, Joris. Joris, qu'est-ce qu'il a, Joris? Voilà. Je demande une selle depuis tout à l'heure. Cheval, j'évite de se barrer. Le cheval, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, le cheval? Qu'est-ce qui se passe, hein? Comment il s'appelle déjà? Tu as donné un nom? Bon, j'en sais rien. Personne ne touche à mon cheval. Ouais. Descends, Frosty, ou je te tue. Tu peux pas. Allez, faut qu'on y aille là, Frosty. On se dépêche. Descends, les chevaux vont mourir. Frosty! Je suis en train de faire du yo-yo, qu'est-ce que tu as fait? Arrête tes conneries, Frosty. Non, on va jamais. T'es en train de le tuer là, ton cheval! Oh mon dieu, c'est quoi ce cri? Tu l'as tué! FDP! Il sérieux? L'a tué. Oh mon dieu. C'est pas possible ça! J'ai pas Frosty. Fait exprès, c'est lui qui avait mal tenu la Bien corde. Sûr. Alors. Je vais proposer un vote. Qui vote pour qu'on fasse en sorte que Frosty reste jusqu'à fin de séjour ici? Je suis volontaire pour dire. Moi. Ouais, moi aussi. Voilà. Bonne journée. Je dégage de ce vaisseau. D'accord. Ok, au revoir. Je vais me suicider. Bah tant mieux. Si tu veux. Alors normalement, vous devrez voir un genre de rayon bleu partir de la montagne de ma base. Ah ouais? Ce serait bon. On peut partir? Affirmatif. Laisse-moi voir ça. Laisse-moi me retourner, que je pousse. CLB, vois-tu le rayon bleu en haut de la montagne? Affirmatif, chef. Je vois pas trop bien d'ici. Je vois pas d'ici. Maintenant, l'espèce de chose, de générateur qui fait de belles choses, et ben il crame là en fait. Attends, je vois pas trop en fait. J'essaie de changer les paramètres de ma caméra, mais. T'as un jeu qui y en a une. J'ai vraiment envie de montrer cet échange d'énergie splendide. Boris. Et de voir enfin en fonctionnement ce réacteur. Fous de ma gueule, soldat. Oh, et toi, commence pas à buter notre patron. Oh, faut se calmer. J'ai une notif sur mon outil de navigation. Sérieusement? Facebook, monsieur Adani vous invitez à rattraper les œufs sur un cassé 57 fois. Bon. Waouh. Le rayon est là. Panax, on se casse. Bientôt, prêtre. Panax. Non, Panax est en fin de retour. Non mais Joris, arrête de faire des conneries. Tout le monde sur le bateau, tout le monde, go. J'arrive. C'est pas encore fini. Comment ça, c'est pas encore fini? Tu te fous de ma gueule. Tous dans l'arche de Noé. Et c'est pas fini. Joris, on est juste en train de faire n'importe quoi. Salut Fanax, ça va? Tranquille? Tranquille. De Noris. Ah oui, Chuck Joris, exactement. C'est ça. Chuck Joris, il a donné des super pouvoirs à Tinjoff. Chuck Joris, il peut être omniscient, il peut être omnipotent. Chuck Joris, envoyez le hashtag Chuck Joris, je ne suis pas dans Sauf le rythme. Moi, la. Parce que moi, oh. T'as pas Twitter et puis en plus on va crever si jamais on parle. Moi j'ai Twitter. J'ai un Twitter pour tout le monde en fait. @MC4 Team, followez-nous. Oh j'aurais trop voulu aller sur le Ball of Steel de Nutella. Comment tu peux savoir que Nutella organiserait un Ball Hop, of Steel? Je fais le tableau de bord parce qu'il en faut bien. Moi perso j'ai failli y aller mais avant qu'on parte, le problème c'est que déjà d'une j'étais pas tellement en capacité de le faire. Et puis il y a eu des petits problèmes de gestion, enfin bref. C'est le thème monsieur Nutella, si jamais nos aventures sont publiées et que tu nous vois. Petite dédicace hein. Vous m'expliquez pourquoi Mr. Fanax a du diamant? Parce qu'il aime se doucher dans les diamants. C'est comme moi j'ai un jetpack. Mr. Fanax, lui, il a du diamant. Voilà, moi je suis un rebelle, moi j'ai mis de la laine. Je me touche dans les diamants. Diams Club. Et j'aime ça. Frosty, Spirit Wolf. Oui. Raté.
Pas moi, moi j'ai rien pris pour l'instant. Je te jure, j'ai rien. Lol, Humad, lol, Humad. J'ai pas eu le temps de les prendre. Allez, voilà. Les deux rayons sont activés, qu'est-ce qu'on attend pour partir? On va finir le tableau de bord et ça sera bon. Qu'est-ce qu'on attend pour partir, les mecs? Mais non! Allez, c'est bien se toucher dans les diamants, mais partir c'est mieux. Allez. Bon bah. J'ai 9 diamants, allez ta gueule! J'en ai plus. Le diamant? Bon, rendez-vous, c'est diamants. Bientôt! Arrête de foutre le feu au vaisseau, Frosty, s'il te plaît, merci. Allez. De toute façon, ce vaisseau est immunisé contre le feu vu qu'il est fait en grande partie avec des pierres faites contre pour résister au du feu vu qu'elles sont dans le Nether. Ou l'enfer. Ouais, c'est un peu une sorte de bouclier thermique, quoi. C'est bizarre, j'ai l'impression que quand on met un diamant dans l'espèce de générateur, et ben il nous fait des pouvoirs, enfin des... Ah oui, c'est pas faux, c'est une propriété qu'on a découvert il y a pas longtemps. Oui, mais c'est très particulier ça, c'est bizarre. Et moi j'ai l'impression que je vais plus vite qu'avant. C'est un moteur plutôt sympa. Ouais, c'est vrai qu'on va plus vite, c'est plutôt une bonne chose. Alors on est prêt pour partir, oui ou non? Répondez pas tous en même temps. Est-ce qu'on peut bientôt. Y aller? Je fais le moteur. Je vais vous dire un truc, on devrait d'abord attendre un jour ou deux avant d'y aller pour vraiment voir si tous les préparatifs marchent et ensuite dans le prochain épisode on se casse. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, tiens, on a plutôt fait un joli cliffhanger pour la série. Okay. Encore. Donc on va se laisser là-dessus et j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'on va pouvoir se voir dans le prochain haha cliffhanger. Et donc sur ce, je vous remercie beaucoup de visionnage de cette vidéo. Followez-nous sur la MC4. Et le prochain épisode sera normalement le dernier et celui-ci aura été long et très très fun. Donc sur ce, tout le monde vous dit au revoir. Sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB. Et salut tout le monde. D'accord. C'est...